Aujourd'hui, vous souhaitez réduire vos frais bancaires, changer de banque pour une banque plus performante, vous multibancariser, eh bien, vous êtes au bon endroit. Et la bonne nouvelle en plus, c'est que je vais vous montrer comment toucher, ou plutôt recevoir directement sur votre compte, une prime de 160 euros. Bonjour à tous, je gère la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires, mais également que vous trouviez une meilleure solution pour votre crédit ou votre assurance. Aujourd'hui, on est là pour parler banque et plus précisément banque en ligne et multibancarisation. Et en plus, tout ça pour eh bien, changer de banque et trouver une solution qui sera moins chère, qui sera plus performante et en plus qui peut vous faire gagner jusqu'à 160 euros de prime. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, partager celle-ci et vraiment, ce qui est surtout très important, je dirais même, c'est poser vos questions et partager votre expérience en dessous de la vidéo. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, j'y mettrai le lien qui vous servira pour ouvrir votre compte et toucher cette fameuse prime de 160 euros. Et vous aurez également d'autres liens. Donc, par exemple, vous aurez l'article qui détaillera justement le processus complet pour arriver à recevoir cette prime en intégralité. Ensuite, il y aura également notre enquête complète sur Monabank, puisque aujourd'hui on parle de Monabank, car c'est elle qui peut vous permettre de recevoir cette prime. Et enfin, le classement des différentes banques, néobanques et fintech, pour que vous puissiez juger à votre tour quelle est la meilleure pour vous. Allons directement à l'essentiel et passons à cette fameuse prime. Cette prime est divisée en deux parties. Donc la première est de 80 euros et la seconde de 80 euros également pour arriver à 160. Donc cette première partie est donc fixe et elle vous sera reversée une fois que le compte est ouvert, donc entièrement ouvert, c'est-à-dire une fois que eh bien, celui-ci est validé par Monabank. Et donc cela signifie que vous aurez transmis les éléments qui sont demandés et que vous aurez fait également ce qu'on appelle le versement initial. Le versement initial qui sert à activer le compte et à le valider pour Monabank. Donc le montant de ce versement, donc ça c'est la petite parenthèse, il est de 150 euros et il doit provenir d'un autre compte qui sera à votre nom et dont la banque est située donc soit en France, soit en zone économique européenne, soit en zone CEPA. Ces 150 euros sont disponibles dès que le compte est ouvert. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de frais. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, vous recevez 80 euros. Normalement, il me semble que c'est le 16 du mois suivant. Ensuite, il faut savoir que donc, vous pouvez toucher 80 euros en plus pour accéder justement à ces 160 euros. Ces 80 euros, en fait, sont reversés sous la forme d'un cashback. Donc, un cashback, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'être remboursé sur une partie de vos achats. Donc, en sachant que eh bien, de plus en plus d'établissements bancaires proposent du cashback. Mais alors, attention, des fois, les conditions, c'est vraiment assez complexe. C'est-à-dire qu'il faut cliquer sur un lien spécifique. Il ne faut surtout pas avoir d'adblock. Bref, voilà, là, c'est galère. Eh bien là, Monabank a décidé de faire quelque chose de vraiment très simple et le cashback vous sera reversé dès que vous faites un achat avec votre carte, en sachant qu'il y a deux types de commissions. Donc, si jamais vous avez un compte pratique ou pratique plus, dans ces cas-là, le cashback sera de 0,5% sur chacune de vos dépenses. En revanche, si vous avez le compte unique ou unique plus, qui sont les deux comptes un petit peu plus chers chez Monabank, eh bien dans ce cas, le cashback sera de 1% de chacun de vos achats. Voilà, donc ça, c'est sur comptabilisé sur une année. Et donc, sur une année, au maximum, vous pouvez recevoir jusqu'à 80 euros de cashback. Donc, je me répète, le cashback, c'est le fait d'être remboursé sur une partie de vos achats. Donc, regardons maintenant de plus près qui a droit à cette proposition qui est limitée. Car en effet, c'est une proposition limitée. Il faudra en fait ouvrir son compte chez Monabank, il faudra que ce soit la première demande d'ouverture et que ça se passe entre le 15 et le 22 novembre uniquement. Donc si jamais vous souhaitez le faire malheureusement après, eh bien il sera trop tard. Donc il faut entamer les démarches entre le 15 et le 22 novembre, donc il faut être très rapide. Ça commence dès aujourd'hui et ça se termine dans pas longtemps. Cela concerne donc les personnes qui vont décider d'ouvrir, donc soit comme je vous le disais tout à l'heure, donc il y a les comptes pratiques, pratique plus ou unique, unique plus. Donc ça ne concerne malheureusement pas les comptes professionnels ou les comptes pour les jeunes.
Sinon, tant qu'à faire, je vais vous transmettre aussi mes connaissances quand même sur la banque en ligne, parce que je ne suis pas là pour vous proposer d'ouvrir un compte dans une nouvelle banque, de toucher 160 € et vous dire de partir par la suite. Si je vous dis ça, c'est parce que Mona Bank est l'un des meilleurs établissements en ligne en France aujourd'hui. Donc en effet, un des meilleurs, pourquoi? Eh bien déjà parce qu'ils proposent des services de qualité. Je suis client chez eux depuis un bon petit moment et je peux vous dire que j'en ai fait ma banque principale. Faire d'une banque sa banque principale, cela signifie que vous décidez de toucher vos revenus chez celle-ci. Donc en sachant que chez Mona Bank, il n'y a aucun engagement de la sorte. Si jamais vous rencontrez des problèmes chez Mona Bank et que vous cherchez à joindre son service client, eh bien sachez que le service client justement de Mona Bank, ce qui est un petit peu justement la crainte de ceux qui n'ont pas de compte en ligne, eh bien son service client a été élu meilleur service client de l'année depuis 4 années consécutives. Donc cela signifie que quand vous avez un problème, normalement, eh bien ils arrivent toujours à le résoudre. Ensuite, il faut savoir que eh bien, Mona Bank peut remplacer, comme je disais tout à l'heure, une banque classique pour de multiples raisons. Donc déjà, il faut savoir qu'ils ont un panel de services complet. Donc c'est-à-dire que, bien entendu, les services bancaires, le service de crédit, donc c'est-à-dire qu'ils proposent le crédit personnel, crédit immobilier, rachat de crédit. Ils proposent également une multitude de services en termes d'assurance. Donc cependant, entre nous, moi, je ne vais pas dans une banque par rapport à ces services d'assurance, mais c'est toujours un petit plus. Ils ont également de nombreuses propositions en termes d'épargne et d'investissement. Donc, par exemple, chez Mona Bank, ils ont la carte qui épargne toute seule. Donc, par là, on entend en fait une carte qui, à chaque fois que vous faites une dépense, en fait, eh bien, elle fait l'arrondi à l'euro supérieur et place cette petite somme sur un petit livret d'épargne. Voilà, donc ça, c'est une manière d'économiser, de mettre de l'argent de côté sans s'en rendre compte. Ensuite, Mona Bank a également un livret spécial, un livret bancaire qui s'appelle le livret croissance. C'est une exclusivité de Mona Bank avec un plafond à 25 000 €. Et donc, sa particularité réside dans le fait que, au fil des ans, pour récompenser la fidélité de ses clients, Mona Bank propose d'augmenter le taux d'intérêt et celui-ci peut grimper jusqu'à 0,41%. En plus de ses services d'épargne, donc, il y a également les services d'investissement, puisque Mona Bank, c'est également donc, la possibilité d'investir en bourse, c'est également la possibilité de souscrire à une assurance vie ou alors aussi à une SCPI depuis peu. Un autre énorme atout de cet établissement, eh bien, c'est qu'il s'agit en fait d'une banque hybride. Donc certes, elle est 100% en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agence. Cependant, eh bien, Crédit Mutuel a décidé de la booster un petit peu en permettant aux clients de Mona Bank de faire des dépôts d'argent liquide et de chèques auprès des automates du CIC et de Crédit Mutuel. Donc ça, c'est un énorme plus. Ça permet d'alimenter son compte parfois plus facilement et plus simplement pour certaines personnes, puisqu'il suffit donc tout simplement de vous rendre dans votre quartier, soit au CIC, soit au Crédit Mutuel, et vous pouvez donc déposer avec votre carte bancaire dans un automate de l'argent liquide ou alors des chèques. Donc, autre énorme atout de Mona Bank par rapport aux banques classiques, eh bien sachez que vous paierez beaucoup, beaucoup moins de frais. Donc en effet, dans une banque classique, il y a les frais de tenue de compte et la cotisation à la carte bancaire. Chez Mona Bank, il faut savoir que, donc certes, il y a des frais de tenue de compte. Ces frais vont de 2 à 9 € selon la formule choisie. Donc je vous invite à mettre pause pour regarder et consulter un petit peu plus les informations sur les différentes formules, en sachant que la formule pratique est déjà très très bien. Personnellement, c'est celle que j'ai choisie. Et donc qu'avec ces différents comptes sont associées 2 cartes de paiement gratuites, donc la carte Visa à autorisation systématique ou la carte Visa classique. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus haut de gamme, ils peuvent rajouter 3 € supplémentaires tous les mois pour accéder au service de la Visa Premier avec ses nombreuses garanties, assurances et ses plafonds supérieurs. Donc voilà, donc je pense vous avoir à peu près tout dit sur cet établissement. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.
En dessous de la vidéo, j'ai rajouté un lien pour Trustpilot, pour ceux qui souhaitent nous noter, que ce soit par rapport à cette vidéo YouTube, par rapport à la chaîne ou par rapport à notre site. Et d'ailleurs, sachez donc que si vous êtes intéressé justement par les sujets banque, finance, assurance, crédit, etc., eh bien, vous pouvez trouver votre bonheur et la réponse à toutes vos questions sur notre site. En sachant que donc nous sommes présents, bien entendu, sur comparatorbank.com, également sur Facebook, sur Twitter et cette chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner. À bientôt!